Le Paris FC, 20e et dernier de Ligue 2 BKT, affronte Concarneau, 17e. Deux équipes qui n'ont pas encore réussi à gagner le moindre match. Le Paris FC a même perdu ses trois premières rencontres. En plus de cela, les Parisiens ne peuvent toujours pas évoluer dans leur stade de Charletti. Ils jouent donc à 3 au stade de l'Aube. De Moncy, Kebal et Diaby Fadiga sont titulaires, mais Gori, Gueye et Lannes notamment sont absents. La première chance de marquer est en faveur de Concarneau avec le tir de Moisan, titulaire en compagnie de Chadli et Gbo. Une première chance, mais c'est bien sauvé par Filipovic. Les Parisiens débutent avec cette petite frayeur, mais occupent quand même plutôt bien le terrain. Attention tout de même à cette sortie de Filipovic. Le dégagement est raté, une petite bévue qui peut coûter cher. Le cadre est manqué de très peu. La relance complètement loupée. Et la chance immense de marquer, mais c'est à ras du poteau. Ça touche même le montant. Le Paris FC s'en sort bien. Les Lettonniers ont peut-être bien laissé passer leur chance, car le Paris FC se procure enfin des opportunités. La première est la bonne avec le but de Lamine Diaby Fadiga, bien servi par la couche, une des recrues du club. Diaby Fadiga marque son premier but en Ligue 2 BKT à la 42e minute. Un très bon moment pour l'équipe parisienne. 1-0 alors que Concarneau avait eu quelques chances de marquer, notamment ce poteau. Et ce sont bien les Parisiens qui prennent l'avantage. Juste avant la mi-temps, situation idéale. 1-0 à la pause. Corée remplace à la couche pour la seconde période de la rencontre. Et le Paris FC espère repartir de la même manière vers l'avant. Mettre un deuxième but pour être un peu plus tranquille et enregistrer la première victoire de la saison. Mais Concarneau n'a pas dit son dernier mot. Encore une chance pour les Lettonniers avec ce tir non cadré. Une très belle chance de marquer pour un nouvel entrant, Dombassi. Et ça passe juste à côté. Les Parisiens ont encore une fois eu un petit peu chaud, mais s'en sortent et réussissent à se mettre un peu plus à l'abri avec ce superbe but de Pierre-Yves Hamel. Tout le talent de l'attaquant dans cette frappe à angle fermé. Le superbe but de Pierre-Yves Hamel, son premier de la saison à un quart d'heure de la fin exactement. Lancé par Kebal, Hamel marque un but qui fait une grande différence. Entrée à la place de Diaby Fadiga un petit peu plus tôt. Il est efficace, le PFC a deux buts d'avance et se retrouve bien plus à l'aise dans le match. Des Parisiens qui se battent et qui continuent à attaquer avec un centre. Dabila qui reprend, puis Pierre-Yves Hamel qui est bien le dernier à toucher le ballon. Le doublé de Pierre-Yves Hamel à la 84e minute. Deuxième but de la saison donc pour Pierre-Yves Hamel et un score de 3-0. Concarneau n'a pas réussi à être efficace. Les Parisiens, eux, ont réussi à l'être, ce qui change tout ce match. Score très large à arriver, victoire du Paris FC, la première de la saison sur un score de 3-0 contre Concarneau.